Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play sur Stellaris en multi, dans la triple alliance la plus valable de l'histoire de Stellaris. On est toujours avec Féa et Tristan, et on est en guerre contre un tas de fumier. Deux tas de fumier, même, pour être précis. On a une première guerre d'annexion, et une deuxième guerre d'agression. En tout cas, salut les gars, c'est reparti pour l'aventure. Salut. Salut. Alors, pour être très exact, c'est 7 tas de fumier. Quel tas de fumier? Non, c'en est 7. Ah oui, si on fait le compte total, évidemment, il y a à peu près 7 tas de fumier qui sont actuellement en guerre contre nous. On a une guerre qui est quasiment remportée, parce que le régime de Loza a été mis à mal par notre supériorité manifeste. Et, par contre, ouais, les autres cons, c'est moins marrant. Voilà, c'est moins marrant. Va falloir qu'on s'en occupe. J'ai relancé en vitesse 1, si ça vous va, après... Oui, c'est le temps qu'on regarde si tout se passe bien, et puis on accélérera après. Il y a une petite flotte qui arrive, elle est de combien? Normalement, vous aviez juste pour terminer la guerre à reprendre les terres qui se trouvent chez notre voisin du Haut Conseil des Grands Mythos. Ok? Ouais, exactement, ouais. Des Grands Lito, Lito. Les Grands Lito, pardon. C'est pas ce que j'ai compris. Oui, bah tu comprends toujours mal, c'est pas de ma faute. Ah, bah oui. Problème congénital au niveau des oreilles de cette espèce. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé des choses. On m'attaque. Alors que j'avais pas réparé. Et moi, il fallait que je refitte aussi un jour. Parce que les flottes sont un peu... T'as pas oublié de sauter à Hera avec moi hein? Ah, si, peut-être. T'es où? J'avais lancé le. Pourquoi c'est si long? L'ordre. Non, l'ordre quoi est donné. Non, quoi, si, l'ordre est donné. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Pourquoi c'est si long? Non, c'est si long. Le terme, c'est en deux mots pour le coup. J'ai pas parlé des si longs. On est d'accord. Mais j'étais à l'autre bout du système en fait. J'étais juste à l'entrée du système. Donc le temps que je traverse, bah t'es déjà sauté. Oh là là! 5000. Il commence à devenir fort dans ton coin. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas que lui en fait. Bon, enfin, ça devrait pas être un problème majeur. On lui renvoie quand même 8000 sur le coin de la gueule. Ouais. Inbound message traffic. Spaceport reports enemy contact. Ok. Faudrait par contre vraiment... Ouais voilà, c'est trop tard. Ouais, il commence à être beaucoup en fait. Ils sont vraiment beaucoup. Je vais les laisser fuir pour reprendre en fait simplement le spaceport sans... sans combattre parce que je préférais avoir réparé en vérité. Ah oui, sinon tu vas prendre beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Ouais, c'est pas très utile de ne pas réparer. Comment ça, action d'évasion, mais c'est qui encore ces gens? Il y a... Oh là 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 là. Allez, rendre à ma maison. Il y a encore des gens. Il faut vraiment des... Ouais, c'est un petit peu casse-bonbec. Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi dans mon pays? Allez, on va essayer de les attraper, eux. Science Division report success. Allez, on va réparer. Ah oui, yes! Beaucoup plus d'alliage, voilà, qui est intéressant. Bon, on se déploie à 7000 contre 1000, je pense que... Ça devrait pas poser de problème majeur. Parfait. Ouais, cette... Cette tempête a tendance à me casser un peu les noix, par contre. Ah, je t'avoue que le petit, quand même... On peut pas faire de reconquête, de revendication, on peut faire que des humiliations contre celui qui nous a attaqué, je crois. Ouais, parce qu'on a déjà choisi le... Non, on n'a pas encore formulé le... Non, il n'est pas choisi, mais les autres sont bloqués pour moi. J'ai que humiliation. Étrange. Très étrange. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a encore des gens. Okay.
Des pégus de type pégus. Ouais, ouais, il y a des emmerdes. Bon, après, c'est pas super grave, mais c'est un petit peu ennuyant. Cela dit, maintenant que j'ai une autre flotte qui est arrivée, ça devrait pas être un problème majeur. Skywatch is tracking a new enemy fleet. C'est qui ça? L'Union Cristalline qui est en train de... Putain, mais vous avez réussi à laisser passer une flotte chez WAM depuis le nord? C'est quand même n'importe quoi. Bah ils viennent d'où? Bah j'en sais rien d'ils viennent d'où, c'est un peu la question que je me pose, oui. En fait, ils sont passés par Rajia, Tam, Rada, en fait, c'est ceux que tu poursuis. Mais t'inquiète pas, Non, il y en a une autre qui poursuit, ouais. Non, mais... Je vais me mettre en vitesse 2, par contre, hein. Maintenant, tout le monde a... D'ailleurs, c'est pas... Je veux pas, en fait. Ah, Seb, c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait, on est tous violés, c'est vrai. C'est à toi de... Fais à mieux en vitesse 2. Oui, s'il te plaît. C'est en vitesse 2. Ah non, c'est Jean qui a eu le type d'effet, mais il pouvait pas. Non, il peut pas... Donc la paix, on la signe pas, de fait. Au bout d'un moment, ça va être problématique. De toute façon, je suis pas sûr qu'ils puissent prendre ce système-là, puisque techniquement... Regarde, en fait, dans le statu quo, qu'est-ce qu'il y a J'ai pas accès au statu quo. Si, là, il prend plein de trucs. Hein. Ok. Ah oui, bah... si, il prend Joprom, il prend plein de trucs. Bah bon. Ah bah tiens, Kibbs. Bah c'est pas dommage. Ouais, c'est con parce que la petite tempête à moins 100% de bouclier, c'était pratique. Non, c'était l'enfer. J'ai passé mon temps à me battre là-dedans et ça a été extrêmement relou. Oui. Science Division reports. Parce que du coup, la coque, quand elle est abîmée, c'est galère. Oui, putain, j'ai perdu la flotte ennemie, je sais pas où aller. Celle qui était à Seb, qui a pris Seb, je la vois pas. Elle peut pas s'être barrée en fait, parce que on a un niveau de renseignement total en fait partout donc. Bah oui, c'est problématique. On a une flotte d'un. On a plein de flottes. Mais à Seb, plein de flottes chez moi. Ouais, elle a disparu, celle qui était à Seb. Ah bon. Oui, c'est pas moi qui l'ai tué. Je suis arrivé juste derrière pour reprendre la station. C'est les autres. C'en est où la reconquête des stations? Moi, j'ai reconquis ce qui m'appartenait normalement. Là, je vais prendre des trucs au fil, histoire de dire. Qu'on soit pas venu pour rien. Mm-hmm. Ok. J'en ai pas pour long, je vais prendre juste une heure du rail, je n'ai toujours rien. Bon, j'espère que ma puissance peut tenir par contre. Complete. What the fuck? On va aller fouiller un site. Et puis ici, on va retourner. De chemin aussi. Alors, ils ont pris ma Starbase faire, ma grosse Starbase de défense à 7000. Special project complete. Je vais venir t'aider bientôt. J'ai ma seconde flotte qui descend. Là, le problème, c'est qu'ils ont ils ont 7000 de flotte et 7000 de flotte, je peux pas les arrêter tout seul. Ah, ok, bah j'arrive avec 7000 de flotte justement qui descendent vers toi. Rendez-vous à. Je les envoie déjà à Actour pour voir et puis après, je les dispatcherai. Pour l'Empire. De toute façon, on va bientôt faire la paix, je pense, non? C'est les autres, c'est ouais, pas. Ouais, non, les... ça, c'est les autres, ça. Ouais. Ben, ouais, il faudrait qu'on fasse la paix, oui, à un moment, on est bien d'accord. Et qu'il faudrait qu'on la fasse, la paix, parce que moi, techniquement, j'ai ce qu'il faut, quoi. Hein, j'ai... Ouais. Le seul souci, c'est que là, si je fais la paix, vous perdez. Japron, Turel, c'est Shox. Donc, en fait, les trois trucs qui sont chez toi. Ouais, j'ai perdu la Starbase sur Turel, Jean-Pron et Chois. Ah, c'est à moi ça? Bah oui, c'est à toi, c'est à ton. Regarde à droite de ton empire, les trucs, ah, les trucs qui sont. Attends, ça arrive, du coup, je suis en train de prendre. J'ai ma flotte qui tue.
Je crois que c'était à lui, tu vois. Je pensais que j'avais revendiqué, mais non. Non, non. Inbound message traffic. Non, absolument pas. Battle debris secured. De toute façon, moi, je crois que je revendique tout ce que je vais... Ouais, je revendique absolument tout ici. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Science Division reports a new breakthrough. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. C'est nous passé de moins 9 à moins 50 de nourriture. Ah. Plein de pop qui sont faites en même temps. On sait pas vraiment. C'est passé des choses, voilà. Fait chier ça. J'ai beaucoup de monde, mais j'ai que des mondes pas très intéressants en vérité. Putain, j'ai des graves problèmes de. Science Division reports a new breakthrough. Encore ? Ah, mais ça se fait les couilles. Ils arrêtent pas d'attaquer toujours toujours au même endroit et de perdre leur flotte. Ils sont un peu stupides, mais bon. Pas leur en vouloir. Pardon, si on peut leur en vouloir d'être stupides, mais. Mais voilà. Bon. C'est pas correct quoi. Pas très. Éclatez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc oui, il y a des débris, jusque-là tout va bien. Il y a des aliens, il y a des débris, il y a plein de trucs. Est-ce que je revendique ça aussi ou est-ce que je revendique pas ça? Je revendique pas ça, bah c'est pas grave. Pas très très grave. C'est bon, je peux signer la paix ou pas? Pas encore. C'est lent. Oui, c'est oui. Exactement ce que je mes flottes n'ont pas été refit, donc j'ai encore des corvettes au moteur 1 et du coup c'est lent. Exactement ce que je disais. C'est lent à crever. Mais bon, ce n'est que passager. Un jour, ça sera rapide. Mmh. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Encore, ah bah une attaque, encore. Bon, ils sont emmerdants jusqu'au bout, eux. Science Division reports a new breakthrough. Parfait. Oula. Il y a 5000 qui arrivent là, je fuis. C'est bon du tu coup. Tu peux signer la paix maintenant. Tu peux signer la paix si tu veux. Oui bah attends, je voilà. Non, elle a pas d'attente. C'est, sinon ils vont reprendre un truc. Bah ils repèlent. Ouais. Voilà. Je signe la paix. Nous voilà, l'acceptons ça, pour l'instant. Ça évite que ma flotte. Merci les gars. On est vraiment très très contents de votre participation. C'était super. Attends. Ah, du coup, ils sont complètement bloqués parce que c'était l'Union Stellaire Crystalline qui contrôlait ma station de 5000. Du coup, ils sont complètement bloqués à l'intérieur de mon empire. Ah, c'est triste. Yep. Pour eux. Ma flotte arrive à... Ok, putain, ça, c'est bien, ça. Elle est juste là. Bien. Elle est à Asturie, là. La première et la deuxième arrivent. Ah, putain, des pirates. Il y a autre chose. Des pirates, maintenant. Porte quoi? Les mecs sont en train de bombarder une planète pour. Ils sont en train de bombarder une planète qui est en train d'être colonisée, qui est en train d'être. D'être colonisée quoi, quand même. Oui, bah ça se fait. Bah, c'est des choses qui arrivent, des fois ils sont méchants. Ok, the float enemy has been eliminated. Bon. Par contre, mon empire il a vraiment une sale gueule. Hein. Je vous le cache pas.
Ah, écoute. On va dire que c'est des choses qui arrivent. Ouais. Poste d'observation, ok. Allez, il va falloir qu'on fortifie un petit peu par contre les positions. Science Division report success. Science Division reports a new breakthrough. Ah oui. Science Division reports a new breakthrough. Ah, je suis encore en guerre contre eux. Merde, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était les Italiens ou les autres. Bon, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de mon aide? Moi, je suis un peu tranquille de mon côté, donc ça va. Le problème, c'est que Tristan avait besoin de l'aide tout à l'heure. A priori, ça devrait passer pour moi. D'accord, parce que moi, j'ai 2 cas de ton côté, et j'ai 1 cas et demi qui arrive de mon côté, mais je dois les bloquer avec... Je vais refit et venir, comment dire, venir participer à la fiesta. Ok? Ouais. Ouais. Surtout que si tu viens aider, je vais peut-être enfin pouvoir refit et refaire un peu mes armées, parce que depuis le début de la game, j'ai pas pu me poser. Mes flottes ont pas arrêté d'aider les gens à droite à gauche, voire même que j'avais besoin aussi. Ok, ok. Donc j'ai encore la moitié de mes corvettes qui sont en full 1, tu sais, en technologie. Ah oui. Ah oui, c'est problématique, oui. Pour le moment, ça suffit en plus, c'est ça qui est terrible. Mais bon, ça va pas suffire non plus 100 000 ans. Hein. Dire ce qui est. J'imagine. Alors, bah écoutez, oui, je vais venir gérer ça sous peu. Inbound message traffic. Putain, par contre, vraiment... J'envoie ma flotte à Azra pour aider à ta défendre, parce que moi je peux pas surveiller le combat, donc si elle est là, je me dis que ça peut peut-être t'aider. T'as qui tu parles? Ah, ok, à oui, toi, d'accord, Tristan. Oui, à Azra, oui. Ouais. Oui, parce que moi je j'ai la pas vraiment et je l'envoie. Besoin maintenant d'être aidé là pour le coup. Allez. Moi je dois tuer l'absinthe. Okay. Non mais par contre, c'est pas possible là. Au niveau tech, je suis trop bas. Oui, bah tu vas pouvoir faire après. On a quand même Tips qui peut nous aider au début pour nous porter vers le haut et puis après tu feras ce qui est nécessaire. Bah là de toute façon, pour le coup, vu les pactes qu'on a signés normalement, ça va quand même vous filer un boost. Ouais, ouais. Non négligeable. C'est juste que on pouvait pas s'occuper de la défense en début de partie et s'occuper de la recherche en même temps. C'était un peu compliqué. Je comprends. Mais maintenant, c'est Tips qui s'occupe de la défense parce qu'il a une flotte plus forte, donc on pourrait s'occuper de rattraper notre retard. Ouais, parce que là, au niveau scientifique, ça tourne pas trop mal. Hein. Ouais, parce que là, par exemple, je suis au laser 2, bouclier 3 et blindage 2. Après, c'est suffisant pour le combat, c'est juste que pour le reste, ton économie va commencer à plus trop suivre. Et puis tu risques de pas avoir les trucs cinétiques à temps pour bien casser les cuirassés et les croiseurs aussi, ça peut être. Bah, je viens de choper la cinétique là, ça va. Ah, t'as l'artillerie? Ouais, je viens de la choper. Bah, cool. Aïe. Parce que des destroyers avec de l'artillerie, ça fait le café. Bah, je peux pas en mettre des destroyers. Si, j'ai un destroyer avec de l'artillerie. C'est un d'artillerie dessus. Ouais. Il faut que j'aille refit. Alors. Construction complete. Construction complete. Our pioneers have made planetfall.
Science Division reports a new breakthrough. Une espèce de peuple sous-développé qui m'a déclaré la guerre avec les autres. Les envahir. Sous-développé carrément. Oui, bah c'est une ancienne conscience. Enfin, tu vois le genre, les préconscients là, les pré-trucs stellaires. Mmh. Non, je vois pas le genre. Ouais. Putain, mais j'ai personne qui va sur ça comme planète. C'est d'une tristesse. Ça se terraforme pas en truc. Genre subarctique. Si, mais ça coûte la peau du fion, d'accord. Ok. Ok. Ok, bon, bah écoutez. On va arriver. J'apprécierais avoir une flotte full pour venir te t'aider, donc. Je sors de quelques vaisseaux et j'arrive. Je suis un gars qui aime bien les controns. Écoute, il n'y a pas de souci. Pour le moment, ça presse pas spécialement. Je n'ai pas de. Disons que c'est Tristan qui bloque, donc il n'a pas trop de soucis. Et moi, c'est vraiment une seule planète, une seule faction qui a une seule planète. Donc ça, il a une petite flotte. Il n'y a rien de très, très violent. Si, j'ai quand même perdu 3 corvettes en faisant ça, le gros coup, combat. C'est terrible. Ok. Donc je vais chez Tristan du coup. Plutôt. Ouais, bah chez Tristan. Ok. Attends, je vais juste faire un petit crochet par le nord de mon empire. Et après on arrive, effectivement. Ah du coup t'as pris sa capitale en plus à Loza. Non. Si si. Ah le truc qui s'appelle Loza. Ouais. Ah ouais, ouais effectivement, ouais. Avec Loza Prime dessus. Ouais, ils font la gueule, c'est probablement parce que c'est pas la bonne, comment dire... Éthique. Ouais, c'est pas les bonnes éthiques, tout ça, oh, ils vont s'en remettre. Hein. Qu'est-ce qui se passe un peu? Il y a pas mal de criminalité, on va effectivement peut-être essayer de limiter un petit peu ça. Tu leur fous une demi-douzaine de torgnoles, ça passe. Petite maison de la loi. À la place de ça, peut-être. Oui, ça devait bien se passer, pas de problème. J'avais pas appliqué ça. J'avais pas appliqué ça. Bah, impliqué. Les mecs, ils sont juste meilleurs en tout, les gars, donc à partir de là. Il y a un passage par ici. Science Division report success. Alors où j'en suis au niveau des revendications? Pas revendiquer ça parce que c'est pas bidule. Ok, ça marche. Construction complete. New sit rep. Ok, parfait. Ça me fait chier d'envoyer des cristaux partout, hein. Franchement, j'ai pas envie d'avoir des lithoïdes partout dans mon empire. C'est chiant. Oui. C'est chiant et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Construction complete. Construction complete. Je vais essayer de terraformer en fait. Hein, ça sera très très bien. Du coup là j'ai une flotte qui a refit. Hop, je l'envoie. J'envoie ma flotte non pas te défendre Tristan que toi t'es plutôt bien, mais attaquer vers le dessus parce qu'il y a un passage. Mmh. Il y a des flottes qui commencent à arriver. Je veux pas être en sous-nombre s'il y a une mauvaise surprise. Comme c'est un peu loin, on va être nickel comme ça. Pas de mauvaise idée. Special project complete. Ok, donc là on va engager
un Void Cloud assez vénère à 5000. On a perdu ouais, rien du tout. T'as toujours des mecs qui sont en train d'occuper un système à toi, non? Là, on se bataille un petit peu à droite à gauche sur l'Abzabjan et tout ça, mais normalement, ils ont alors, pas c'est qui les mecs qu'il faut attaquer concrètement là? C'est les. La cristal hiérarchie, je sais pas quoi là? Ouais, c'est ça. Ah, mais ils sont scindés en fait. La cristal hiérarchie en fait, et l'union stellaire, en fait, ils sont scindés en deux. L'Airwab Saiban Realm qui est venu et qui les a défoncés et qui du coup les a scindés en deux en fait. Ouais, sympa. New species variant available. Très sympa. C'est quoi le problème là? Il n'y a pas assez de spécialistes. Bon, est-ce que quelqu'un s'est occupé de savoir quelles lois sont passées dans la société galactique récemment ou pas du tout? J'étais un peu occupé. Recyclage point galactique, il est passé. Ok. Ça donne moins 20% de. Ah, je vois ta flotte. Tu peux passer, si tu veux, par Unur et tout ça pour attaquer directement vers le bas. Unur. Il y a un passage. Et là, on a voté les canaux collaboratifs de recherche, là. Et quoi, Unur? Bah, je vois ta flotte qui est pas très loin de chez moi. Donc, oui, mais je sais pas c'est où Unur. Bah, là où t'as ta flotte, tu vois. Oui, mais après, tu continues c'est à descendre jusqu'à Eriga, et après, quand tu passes à Eriga, tu peux passer par Ere, qui est une station, et après, t'as Unur ou t'as une autre station, et puis après, tu as le. Non, mais je vois Unur, mais après, les ennemis sont où? Bah, en fait, tu descends vers Sarakilis, Klis, et en fait, tu descends et t'as tous les ennemis qui sont là. Ok, je vais changer l'itinéraire en espérant avoir compris ce que tu m'as demandé de faire. Ça me semble être du bon côté parce que c'est pas fortifié, donc comme ça on va rentrer directement dans leur dos, dans au niveau de leur cœur. Oui, enfin j'ai quand même. Oui, d'accord. D'accord, je. Ouais. Tu vois la tactique. Non. La tactique. Mais je me rends là où il y a une flotte rouge. À Bitrius en tout cas. J'ai un peu d'extension de l'Empire, c'est pas top. Mais mon monde administratif, il fait pas assez d'administration pour l'instant. Donc. Alors, moi, ouais, il faut que je refasse le template de mes flottes. Un peu, tu sais, mais donc j'ai d'autres vaisseaux. Est-ce que ça avance, ça va pas le faire. Ah, mais attendez, mais j'ai un trait. J'ai pas créé de modèle. On va virer quoi? Dépensier ou on va virer faible? On va virer faible. Science Division report success. Ça me semble bien de virer ce trait de merde. Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal. Anomaly found. Anomaly found. J'ai le tissu régénératif, c'est parfait ça. Et où? Ça va éviter que ça soit trop long au niveau de. Ah. J'ai pas créé de modèle de plateforme de défense, c'est un peu triste. Ah oui. C'est. G. Je fous de quoi dans les G déjà? Ah oui, les missiles de. Ah si. Les missiles. Ouais, c'est pas déconnant. Sit rep.
System reconnaissance completed. C'est vrai que c'est quand même très particulier qu'on soit tous violets comme ça. Je crois que ça vient de notre... Non, on a tous pris violet. Le drapeau, qu'on choisit, en fait, c'est ça qui fait le côté violet et tout ça. Bah, mais genre l'axe de ton drapeau, il est pas si un peu violet. Si, c'est les couleurs secondaires et primaires qui donnent la couleur globale. Sachant qu'avec le noir, ça modifie, enfin, c'est un peu différent. Science Division reports a new breakthrough. Moi, je te laisse descendre, Tibbs, vers l'ennemi. Moi, je refit mes flottes et je mets des destroyers dedans. Que là, j'étais qu'au corvette. Ok, ok. Il est temps que je mette des destroyers. Attendez, Karas Prime, c'est quoi Karas Prime? Il y a déjà des mecs à moi dessus à Karas Prime. Ah ouais, mais c'est des litoïdes. Bah, limite, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en guerre? Quelqu'un m'agresse? C'est cela? Ah ouais, j'ai croisé un type, mais je l'ai pas tué. Ouais, étrange. Bon, enfin bref. Est-ce qu'on peut reprendre effectivement le processus de terraformation? Ça me plaît bien comme plan, moi. Ça me semble tout à fait à propos. Il y a peu de chances que mon comment dire, que ça me donne une planète qui serait inhabitable pour des litoïdes, quoi. C'est compliqué. Ouais, ça me semble. Ah, si tu peux faire des mondes morts avec ça, parce que c'est pas drôle sinon. Ouais, bah écoute, on va essayer de pas faire un monde mort et puis voilà. Hein. Si les gens sont pas contents, ok, bah ce sera un monde générateur. Qu'est-ce qui se passe? Stabilité à 6%. Ok. Type, ça me paraît pas ouf, mais je crois que je suis pas un expert, mais je crois que la stabilité c'est mieux quand c'est plus haut. Ouais, non, mais 6%, j'ai pas compris pourquoi là. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas dramatique, mais un peu particulier. J'avoue. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme ascension? Bah, ascension, genre la chair est faible, ça me semble pas mal du tout. J'avoue. On va devenir des cyborgs, mais je ferai pas l'ascension totale parce qu'il est pas, bien en fait, l'ascension totale. Devenir des robots, c'est tellement pas intéressant. Ils se reproduisent vite. Je vais le faire à côté de moi. Change la classe de la planète en monde Gaïa. Et bah voilà. Parfait ça. Voilà. La chair c'est est une chance sur deux de toute façon, je crois. Mais moi. Tim, j'arrive aussi. À Trabalor. Ok. Attends, il n'y a qu'un spatioport à 3000 là donc. Ouais, faut monter. 53 mois. Faisons-le. Bah attends, mais il y a même mieux que monter, regarde, ils viennent nous voir. Reviens, te barre pas, enfoiré. De quoi? Non, il arrête de jumper. Non, mais on s'en fout, il faut attendre un petit peu, réparer avant de continuer. Prends le temps. Ouais. Alors, on a un monde Gaïa maintenant. Il est où le monde Gaïa? Enfin, non, on a un deuxième monde Gaïa, je veux dire. Bah c'est celui où il y avait justement peu de stabilité. Les mecs, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais toute évidence, pas ceci. Yep. Alors, t'as revendiqué quoi chez eux là? Parce que j'ai quand même l'impression que la guerre, on n'est pas en train de la gagner. Mais j'ai revendiqué rien du tout. Enfin, j'ai tout revendiqué, mais en fait, le but de guerre, c'est pas ça. Ok.
Pas étrange du coup comme organisation. Là, ils sont en train de remonter. Ah oui, je suis en train de remonter pendant que j'étais en train de refit, salaud. Donc du coup, c'est quoi le délire? On le défonce. Juste on le défonce? Ouais. Bah, malheureusement, oui, à cause du but de guerre, c'est pas rentable. Quel but de guerre, c'est quoi? Ça fait un peu pitié votre but de guerre, les gars, oui. Bah, c'est pas nous qui l'avons choisi. Bah, c'est pas moi non plus. C'est quoi ça? C'était automatique pour des raisons obscures. Stabilité basse à cause de d'unemployment. Mmh. Ah merde. Zut, j'ai de nouveau. Ok, bon. Bah écoutez, ça se passe pas trop mal. Il reste quoi à prendre chez lui? Aucune idée. Tu peux pas faire le statu quo là? Attends, je suis en train de reprendre des trucs qui m'ont vidé pendant que je viens de faire le refit. D'ailleurs. Salaud. Quel salaud. On pourrait faire le statu quo. L'ennemi, c'est un salaud. Ah oui, oui, évidemment. Bon, écoutez, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est très satisfaisant. Mmh. Non. J'ai foutu. Et pourtant si, Tiberians. Mais non, j'ai malencontreusement bloqué la croissance de ma population. Et c'était un peu stupide. Du coup, est-ce qu'on perd quelque chose si on fait le statu quo maintenant? Bah, moi, je peux pas voir. Je suis pas le. C'est toi le. De toute façon le. Alors. Moi, je peux pas le faire. Hein. La Abjaz, attends, les défenseurs, c'est le conseil des grands lithos qui vont récupérer Abjaz, machin. Et après, la Shab Tankling Interplanetary Imperium va récupérer Salaklis, Kormagas et Tibor. C'est où ça? Je sais pas de quoi vous parlez. C'est le truc, le cristal hiérarchie. En fait, c'est le truc que je revendique et contrôle chez la cristal hiérarchie. Ah, donc ça veut dire qu'on est bon. Je pense qu'on peut le faire. Il accepte en plus. On fait ? Ouais, vas-y. Oui, oui, ça me va tout à fait. Il y a aucun problème. Parfait. Bon, bah, on a terminé avec ces guerres. C'est très très bien. Non, mais c'est sérieux là, par contre ? Bordeaux, que ça fait? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai un random bout de Kormagas qui est chez moi. Enfin, Kormagas est chez moi maintenant. Mais je peux absolument pas y accéder sinon. Je vois pas où c'est, mais. Bah, c'est collé entre la Crystal Hiérarchie, le Visceral Multitude et l'Union Stellaire Cristalline. Ici. C'est un je peux pas détruire, mais j'ai démonté la station de toute façon. Ouais. Je peux pas la maintenir, ça n'a pas d'intérêt.
Waouh, j'ai explosé mon... J'avais une Gaïa qui était un monde de bureaucrates. Mmh. J'ai besoin de bureaucrates, vite. La bureaucratie, c'est la vie. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Non, en effet, c'est pas ça. Attends, c'est quoi ma préférence à moi déjà ? Subarctique, je crois. Terminus. Capitale de l'Empire. Ouais, monde subarctique. On va transformer ce océanique en subarctique. Alors, on va refroidir tout ce merdier. Si tu connais les solutions, je crois qu'on est fait, on est preneur sur une planète assez inconnue, ça s'appelle la Terre. Ah, pour refroidir des trucs ? Ouais, je comprends. Ouais. Je vois le problème. Parce que moi, j'ai bien proposé de mettre un gigantesque congélo dehors, mais apparemment, ils n'étaient pas d'accord. Ouais. Je comprends. Ce que je trouve honteux. Ah oui, c'est vrai. Ces enfoirés qui suivent les lois de la thermodynamique. Bande de bâtards. Un mot hostile. Ah, on pourrait envoyer des gars comme avec ça. Avec beaucoup de graphiques apparemment. des gens intelligents. Ils sont moches mais intelligents. Putain, oui, ils sont très moches par contre. Bah, cela dit. S'ils sont intelligents quand même, même s'ils sont très moches. Quoi. Ouais, non mais d'accord, effectivement, mais c'est quand même pas ouf. Allez, on va envoyer deux vaisseaux comme ça. On va partir du principe qu'ils sont compétents, même s'ils sont moches. Ouais, tous pas de leur faute. Pourquoi les gens font la gueule à ce point? C'est ouf. Pourquoi on diminue notre... Ah, c'est compliqué, ça. Comment ça se fait qu'on diminue... Personne met de putain d'émissaire en fait. Il y a les miens d'émissaires dans la boutique. T'en as un seul. Oui, j'en ai un seul. Moi j'en ai 4 et c'est mes 4 qui permettent uniquement de pas s'effondrer. On fait ce qu'on peut. Des fois c'est pas suffisant, tu vois. Alors eux ils sont juste économes ces mecs, c'est très bizarre. Ils sont préférence continentale et économes. Va pas être moins relou aussi. Ouf. Construction complete. Très intéressant. Ah les robots par contre, on a des nouveaux modèles de robots. Ah non, une nouvelle mode. Je croyais mais en fait non. Tu scrues mais lui scrues. Je lui scrue mais à tort. Bon, on formait le Conseil Galactique. Ouais, ça pourrait être une idée. On est sur 43 minutes d'épisode. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là, juste après les guerres. C'est pas déconnant. Écoutez, j'ai pas vu le temps passer. Ou presque. Oui, ah oui, ça a été vite. Bah écoutez, belle victoire. Hein. Portée par l'aide fédérale, mais belle victoire quand même. Bref, on espère ensemble, que ça vous a c'est plu. Mieux. Et on se dit à bientôt pour la suite. Bye bye. Salut. Les gens. Salut.